Et bonjour à tous, c'est Manin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Et on continue la série de chasses. Comme vous voyez, aujourd'hui on va vous présenter l'orignal et l'aigle royal. Ces deux animaux, ils sont un petit peu rares dans le jeu. J'ai trouvé cet endroit. Vous trouvez ici et l'orignal et l'aigle royal. Mais pour l'aigle royal, j'ai montré un deuxième spot qui est plus facile à trouver que celui-là. Allez, on va chercher notre orignal 3 étoiles. Ah, il faut se rendre au nord d'Hansburg. Je vais vous montrer tout ça. Regardez, on est là. Hansburg. C'est dans l'est, Hansburg. Allez, regardez Valentine. Elle est là, Valentine. Nous, on est là. C'est au bord de cette rivière-là qu'on va trouver notre orignal. J'espère le trouver facilement parce que avant de faire cette vidéo, j'ai vraiment galéré à le trouver, mais c'est un spot qui est bon pour trouver cet animal. Allez, on va descendre et voir si notre animal est là. C'est pratiquement dans cette zone qu'on le trouve plus souvent. Allez, on va utiliser les jumelles. C'est un cerf. Ah, regardez, il est là. Il est là, l'orignal mâle. Orignal mâle, mais malheureusement, 2 étoiles. 2 étoiles. Je vais vous montrer la carte où on est. C'est ici. On va laisser une petite balise ici. Allez. Allez, on va se reposer et revenir voir notre orignal mâle. Il est magnifique, regardez, il est imposant, il est... Allez, je vais vous montrer sa carte pour savoir comment le tuer. Allez, tac, tac, tac. Il est où l'orignal? Ah, le voici. C'est orignal mâle. L'orignal mâle vient de l'état de West Elizabeth. Ta, 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 ta. Cet imposant mammifère peut être abattu avec des flèches améliorées ou un fusil à lunettes. La peau et les bois d'orignal permettent de fabriquer des objets. Ok. D'accord. Donc, on va utiliser un fusil à lunettes pour l'abattre proprement. Allez, nous, on va dresser la tente et on va dormir. Je sais pas si on peut parce que avant de monter la vidéo, attends, je vais voir. Ah oui, je peux pas. Ce n'est pas grave, je vais dresser la tente. On va se reposer un petit peu. Allez, je vais essayer de dormir. Ah non, vous ne pouvez pas dormir si rapidement après plusieurs épisodes de sommeil. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va revenir à notre spot. Je vais laisser la tente là. Allez, il est où le cheval? Allez, on va revenir à notre spot. J'espère qu'on le trouvera cette fois-ci. 3 étoiles. Il y a différents spots que j'ai testés, mais celui-là il est vachement trop bien pour l'orignal. Vous allez voir, on va chercher le 3 étoiles. Allez, on va descendre notre balise qu'on a laissée. Ah, j'ai oublié les armes. Allez, on va prendre un fusil normal parce que j'ai entendu des loups en cas où, et on va prendre notre fusil à lunettes, le running block, et allez, on va descendre dans la rivière pour voir ce qu'on trouvera. Le 3 étoiles.
apparemment. Il n'y en a pas. Oh, il n'est pas là. C'est quoi ça? Ah, c'est un Wapiti. Non. C'est ça le spot de l'aigle. On va parler après. Il n'y a rien par ici. Ni par là. Allez, on va chercher par là. Sinon, je vais faire un montage. Je vais accélérer la vidéo. Vous pouvez revenir quand je le trouve. Apparemment, il n'y a rien par ici. Oh, pitié, non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Allez, je vais faire un petit montage et on revient. Je pense que j'ai vu quelque chose bouger par là. Ah, il est là. Il est là, j'espère que c'est le 3 étoiles. On va l'étudier. Je sais pas pourquoi on l'a déjà étudié. Orignal 3 étoiles. Orignal 3 étoiles. Là, 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 on va le pister. Allez, on va prendre notre... fusée à lunettes. On va à la chasse. Je sais pas, il est parti par là. Gauche ou à droite. J'étais trop long. Mais je vais suivre cette piste. Je pense qu'il est parti à droite. Je vais voir cette piste. J'ai peur de le rater. Ah, il est là. Il est là. Fou là, le sang qu'il a. Allez, plein dans la tête. Et voilà notre orignal 3 étoiles. On l'a chassé bien dans son spot indiqué. Regardez, oh là là, il est vraiment imposant. Il est énorme. Allez, on prend sa fourrure et on la charge sur notre cheval. Regardez en bas à droite, fourrure d'orignal en parfait état. Allez, c'est vraiment magnifique. Allez, on va le charger. Et on part à la recherche de notre aigle royal. Allez, comme je vous ai dit, c'est un spot pour l'aigle royal aussi. Si vous voyez ce rocher là à gauche, c'est ça. C'est ça son emplacement. On trouve souvent ici. Maintenant il n'est pas là, on va juste faire un petit tour et revenir. Des fois, quand vous cherchez, vous trouvez un aigle à tête blanche. Il est pas mal aussi, mais si vous voulez l'aigle royal, il faut juste faire un petit tour ou dresser la tente ou dormir jusqu'au matin. Et revenir ici, sur ce rocher. Et vous trouvez votre aigle royal. Allez, pour moi, je vais faire un petit tour. On va pas adresser la tente encore une fois. Je vais faire un petit tour et on revient après le montage. Allez, voilà, on est de retour. On est un petit peu loin du rocher, mais
Apparemment, je vois quelque chose. Apparemment, je vois quelque chose. Ah oui, c'est un mec. C'est un mec. Mais sa tête est blanche. Ah oui, aigle à tête blanche. Non, nous, on s'intéresse à notre aigle royal. Il n'y a rien par ici. Bah, pour ce faire, je vais vous montrer le deuxième spot. Parce qu'il est plus facile. Regardez, on est ici. Allez, on va partir à l'ouest. Vraiment à l'ouest. C'est un petit peu loin. Regardez, c'est au nord de Window Rock, ici, dans le jet de Granite Pass. C'est là qu'on va partir. Allez, je vais faire un petit montage et on se retrouve là-bas. Et voilà, on y est. En fait, ce spot, il est magnifique pour trouver l'aigle. Vous allez voir. Allez, on va laisser notre cheval ici. Il y a toujours trois aigles qui sont là, dans ce spot-là. Allez, je vais vous montrer. Et voici dans ces deux corniches. Regardez, notre premier aigle à tête blanche. Ça ne nous intéresse pas. Et le deuxième. C'est dans cette corniche là, attention. Et c'est là. Ils sont là, les deux. Et apparemment, ils sont aussi tête blanche. Allez, nous, on s'intéresse à celui-là. Il s'envole rapidement, l'aigle. Dès que tu l'observes, regarde, il s'envole. Oh là là, il faut être vraiment rapide. Allez, nous, on va dresser la tente. Et avant, attends, je vais vous montrer la carte de l'aigle royal. Il est où? Tac, tac. Le voici. Aigle à tête blanche et aigle royal. L'aigle royal se trouve plus souvent. La meilleure arme pour l'abattre est le fusil à petit gibier. Alors, moi je vous conseille d'utiliser un fusil à petit gibier et dans l'armurerie vous allez l'équiper d'une lunette. Surtout pour chasser l'aigle, c'est très conseillé. Vous allez voir. Allez, on va se reposer. C'est pas la peine de dormir, hein. Il faut juste aller dans la tente et puis ressortir et partir à notre spot pour trouver l'aigle royal. Allez, on va sur notre cheval, ce cheval, ce fameux cheval, le pur sang arabe. J'ai trop aimé ce cheval. Il y a le blanc et celui-là, le rouge. J'aime bien. Allez, on va aller à notre spot. Regardez les deux rochers qui sont là. On va voir s'il y aura un aigle à tête blanche ou un aigle royal. Ah, pas la peine d'être 3 étoiles, là, nous on cherche que les plumes. Allez, on va prendre notre fusil à petit gibier. Il est très important pour la chasse. Celui-là. Et on va voir, on va viser directement. Oh, regardez, il s'envole. Il s'envole, c'est un aigle. Oh, boum, je l'ai eu, je pense. Je pense que je l'ai eu. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah là 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 là. C'est un aigle royal, vous allez voir, on va descendre le voir. Je l'ai toujours tué sur le rocher. Je n'ai jamais descendu par là. Oh là là, une glissade. Allez, oh, c'est trop difficile. Allez, on va chercher une route. Oh là 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 là. Heureusement qu'il est pas mort, notre ami John. Oh là 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 là. Allez, on va chercher
Notre aigle, il est apparemment par ici. Il est là. Le voici. Il est énorme. Allez, on va le plumer. Parce qu'on a besoin des plumes de l'aigle. Regardez, aigle royal. C'est affiché. Et il est magnifique. Il est vraiment grand. Regardez en bas à droite, aigle royal. Allez, c'est fini. On a récupéré l'orignal et l'aigle royal. Les deux en 3 étoiles. Ben, j'espère que je vous aide bien avec ces tutos de chasse. Et je vous dis merci. Merci pour tout le soutien. Ben, ça me fait énormément plaisir. Les likes et les commentaires. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour des nouveaux animaux qu'on va chasser encore et encore. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.